Bonjour, c'est Julie. J'aimerais vous faire part aujourd'hui de ma profonde tristesse, mais aussi rendre un très grand hommage à mon professeur de copie de tableau, André Fisch, dont j'ai appris le décès hier. Voilà, aujourd'hui, je suis à mon atelier de restauration de peinture, où j'ai cette copie de tableau qui est en attente de réalisation. Elle a été de très nombreuses années malheureusement dans un placard pour des raisons personnelles où je ne pouvais pas la continuer, voilà. Et j'ai pu la reprendre il n'y a pas si longtemps que ça et je suis très désolée de ne pas pouvoir avoir pu la terminer du coup à temps pour pouvoir la partager à mon professeur. Je l'avais commencé justement à Paris avec lui et je l'avais emmenée à Prague et je voulais la continuer. Et donc j'ai pu la recommencer, faire notamment le lustre. Et aujourd'hui, je viens de terminer à peu près le miroir qui est ici. J'aurais quelques petites retouches encore à faire, mais j'ai fait ça ce matin en pensant très fort à lui. Donc voilà, c'était pour lui rendre un grand hommage. Il m'a beaucoup appris. C'est grâce à lui, si vous avez vu sur les autres vidéos, que j'ai cette espèce de petit mini musée, si on pourrait dire, dans mon salon aujourd'hui. C'est d'ailleurs, je pense, grâce à lui que j'ai pu avoir ce petit musée. Aussi pour des raisons personnelles que j'avais pas pu avoir toutes ces dernières années. Près de moi, dans mon appartement. Et j'ai pu tout encadrer, je peux les voir tous les jours et je peux penser à lui tous les jours. Donc il y a des. Je vous filmerai les autres tableaux. Il y a une copie d'un portrait du Fayoum à l'encaustique, donc avec la cire. Donc il m'a appris ça. Il y a une copie sur une peinture sur cuivre à l'huile. Il m'a aussi appris ça. Il y a une peinture sur bois, une peinture sur toile à l'huile. Il m'a aussi appris ça. Il y a des peintures à la tempéra au jaune d'œuf et avec de la dorure à la feuille d'or. C'est lui qui m'a appris ça. Et voilà, j'avais commencé aussi donc ce qui était primitif flamand, c'est-à-dire Van Eyck. Je sais que Van Eyck, justement, c'était un peintre qui comptait beaucoup pour lui. Il avait commencé et il n'aura pas pu finir l'Agneau mystique. C'était son rêve. Voilà, je terminerai ce tableau en pensant très fort à lui et je lui dédie ce tableau. Au revoir.